Eh bien, salut à toutes et à tous, les amis, c'est Jujolo39. On se retrouve aujourd'hui ensemble pour un 54e épisode de Zelda Breath of the Wild. Et on va découvrir aujourd'hui une nouvelle zone, celle-ci. Et dans l'épisode précédent, ce qu'on avait fait, c'est que rappelez-vous, on avait donc découvert. C'est quoi que j'avais noté ici? C'est un sanctuaire ou pas? Ah oui, non mais oui, d'accord, il nous fallait une lune de sang, il faut y retourner lors d'une lune de sang. Ok. Donc, dans l'épisode précédent, on avait fini le sanctuaire avec l'écaille d'Ordrak, qu'il fallait emmener dans la source, et on avait vu trois souvenirs, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ben, on va continuer, d'accord? On va aller. C'est vrai que ça caille par ici. Donc on va continuer. On va descendre dans cette... Dans cette nouvelle région. Et puis on va aller explorer tout ça. Alors là, je vois qu'il y a... Voilà, des types. Est-ce que lui... Voilà, viens là. Déglingué. Le petit gars. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Allez, on va prendre un cheval. Hop. On va prendre un cheval et on va aller voir un peu ce qui se passe. Alors. Tu m'obéis, s'il te plaît. Je vais te dire de descendre là. Voilà. Allez. Et là, je vois qu'il y a un truc planqué par ici. Donc, on va aller voir ça. Ce qui se cache un peu là-bas, derrière. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'on fait avec ce machin là? Bon, bref, on y reviendra un peu plus tard. Si jamais il y a quelque chose à faire. Merde, je me trompe tout le temps de bouton. Toi, tu m'écoutes. D'accord. Alors. Champivolt. Je l'ai déjà pris. Alors, vu que c'est une nouvelle zone, voilà, je vais faire attention un petit peu de prendre des photos quand même. Ce sera pas mal. Trace, 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 trace. Wow! Ils sont fous, eux. Nom de Dieu.
Ah, tiens, il y a quelqu'un là. Hop là. Il me faudrait un cheval. Tiens, bah. Si tu peux prendre le mien. Là, voilà. Ça alors, je m'attends à tomber sur quelqu'un dans ce trou perdu. Il faut croire que la chance a fini par tourner. Moi aussi, je suis un voyageur tout comme toi. J'ai été attaqué en passant le col de la montagne. Dès que mon petit pote a flairé les monstres, il a filé sans demander son reste. Mon petit pote, c'est mon cheval. Je suis coincé ici depuis cette fripouille ingrate s'est fait la malle. Ah, si seulement j'avais un cheval pour pouvoir reprendre ma route. Un cheval, un cheval. Je me demande pas la lune. Dis ton cheval là. Va peut-être trouver que j'abuse, mais tu voudrais pas que je l'achète 300 rubis? Bon, allez. Oh, sérieusement? Mais attention, hein. Donner ses données, reprendre ses volets, évidemment. Eh, mais c'est génial, merci, hein. T'es le meilleur. Tiens, comme convenu, voilà 300 rubis pour ton cheval. Donc moi, ça me fait 300 rubis. Et en plus de ça, ça fait une quête de... fait. Voilà. Bon, on va continuer à pied. On va continuer à pied. En plus, ça doit plus être bien loin, normalement. Bien normalement. Attendez, on va monter voir ici déjà. Voir un peu ce qui se cache. Ah bah dis donc, c'est perché là-haut. C'est perché. Ça c'est bon ça. Ça c'est très bien. Très très bien. A priori, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose là. Pour le moment. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Allez. Du Gemnox. Ah, puis il y a un coffre. Bouclier Gerudo. Ah! Tiens, je l'avais pas lui. D'accord? Bouclier Gerudo à la place de ça. Non. Jeter. Vingt-six.
On l'avait pas celui-là. Et à la place, je vais prendre un petit 22, voilà. Nickel! Mon Dieu, c'est vous. Ah, rubis brut, très bien. Très bien, très bien. Alors, ça commence à être long. Oh. Ah ouais, c'est très très long. Non, on va pas tarder à arriver. On va pas tarder à arriver. Voilà, là il y a un relais. Je crois qu'il y a. C'est quoi un coffre là-bas? On va aller voir ce qui se cache là-bas dedans. Cimetière, mais j'avais déjà pris en photo lui, il me semble. Ah oui. Relais du Canyon Gerudo. Ouais, je me souviens un petit peu là. Alors attendez. Hop là, hop, 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 hop. Silex. Attends, 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 attends. J'ai envie que tu montes là-haut. Alors tu montes là-haut, s'il te plaît, et tu ne discutes pas. Corgou! À la royure. Alors, attention en dessous! Alors, lui. Dis-moi, tu n'auras pas vu mes compagnons par hasard? Ce sont quatre voyageurs qui s'appellent Kartam, Linum, Kalzo et Plam. Tu ne les as pas rencontrés, c'est bien ce que je pensais. Nous voyageons tous ensemble, mais quand nous sommes arrivés aux abords du plateau d'Umetake, les monstres ont surgi sans prévenir. Alors j'ai couru de toutes mes forces jusqu'ici, mais quand je me suis retourné, mes compagnons, ils n'étaient plus là. Est-ce que les monstres les auraient? Non, je suis sûr qu'ils sont tous sains et saufs. Alors, je vais attendre leur retour ici. Si jamais tu les croises dans les environs, veux-tu bien leur dire que ces âmes les attendent ici? Il n'y a pas de problème. Ensuite, toi, t'as rien pour moi? Il n'y a pas de problème, je leur dirai. Flèche en bois. Alors là, il y a un sanctuaire, donc on va aller se le faire. Comme ça, on pourra se retéléporter plus rapidement si besoin. Sanctuaire de Kenoï.
On va aller faire ça. Et on va aller voir, on va aller à la recherche de ses compagnons après au monsieur là-bas. Parce qu'en fait, je sais où ils sont. Ouais, c'est où j'étais monté tout à l'heure. On va retourner monter après là-haut. C'est que j'étais allé. Alors, pouvoir de l'électricité. D'accord. Ok, donc j'ai ma petite idée. Donc là, voilà, on rentre dans le monde un peu plus électrique. Donc. Ok. Oh, gardien. Bonjour. Juste que je fasse gaffe, c'est de pas me prendre une décharge, quoi, c'est tout. C'est quoi ce truc? C'est bizarre, y a pas un coffre planqué par là? Ah non, a priori. A priori, non. Bon. Mais y a un coffre là. Four. Petite clé. Et on n'a pas tous les coffres. Ok. Ah non, si t'as de l'avance, ça va pas aller. C'est brisé. Ah bah si c'est brisé, c'est pas grave, j'en prends un autre. Regarde, j'en ai encore là. Voilà. Oh bah le glaive de gardien 1.0, non, non, non. Ça, c'est pas négociable. Voilà, donc là on a tous les coffres. Alors ensuite, donc là voyez-vous, il y a une décharge là. Là, par contre ici, il n'y a pas de contact. Alors, ce que il faut faire. Non, mais tu déconnes. Ah non, j'y crois pas. Oh putain. En plus, je pensais pas. Je me suis dit, bon, c'est bon, mais a priori, j'étais peut-être un petit peu trop près avant de manipuler ce truc-là. Non, mais moi, je me suis dit, c'est bon, quoi, quand même. Ah bah non, c'est pas bon. Tra la 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 la. Alors, les coffres, donc du coup, ils sont validés. Donc là, la porte est ouverte, nickel. Et le coffre, donc du coup, il est ouvert. Ouais. Alors, on va faire attention. Voilà. Et ensuite, on peut y aller. Nickel. Et merci pour ma vie, soit dit en passant. Bon ben voilà. J'ai pas mal tout ça. T'as 94 sanctuaires sur 120, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Nous manque plus que 20, 26, hein, ça va vite. Alors ensuite. Donc on va retourner un petit peu en arrière.
cette fois-ci, pour la simple et bonne raison. On va aller libérer, enfin retrouver les gars, mais il va falloir les libérer parce qu'ils sont pris par des monstres justement. Et on va devoir les libérer. Moi je voudrais juste récupérer des champis tempo par la même occasion. Voilà. Voilà. Et on peut y aller. Donc là on va revenir un petit peu en arrière. À l'endroit où je montais, vous savez. Et puis, on va aller voir un peu ce qui s'y a soulevé. Y a quoi? Un rubis vert. Super, un rubis. Comme si on s'en foutait. Pas. Mais moi, je m'en fous. Avec 5000 et quelques rubis, un rubis, ouais, bon. J'ai cru qu'il y avait un truc à faire là, mais non. Ça, il me semble que je t'ai déjà pris en photo. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup cet endroit-là. Le canyon. C'est stylé, franchement stylé. Alors, attendez un instant, je vais juste fermer ma fenêtre. Cochon du village qui est en train de vider son verre. Alors, non mais attends, je suis pas allé un peu loin là. Bah non, il me semble pas. Où c'est qu'il fallait qu'on monte? Qui c'est qu'elle a? Oh. Tu es plutôt bien bâti, tu as l'air assez expérimenté dans le maniement de l'épée et de l'arc. Que dirais-tu de nous rejoindre au sein du gang des Yigas? Le gang des Yigas? Comment tu ignores qui nous sommes? Bien, je vais t'expliquer. Le gang des Yigas, c'est le groupe fier combattant fondé par le grand Koga pour vaincre le méprisable héros. Je dois dire que je ne pouvais pas mieux tomber. Link, prépare-toi à mourir. Ah, non. Ah non, hein. Oh, ça va pas recommencer, hein. C'est quoi? Souffifre, Yiga. Waouh, culé. Ah oui, alors eux, faut les avoir avec... avec l'arc. Tac. Tac, voilà. Terminé. C'est quoi ça? Image au maximum? Non, t'inquiète, regarde. Ce que je vais faire, c'est que... Donc, effacer... Tout. Effacer... Oui, voilà, impec. Ensuite, photo, serpe coupe-gorge. Banane lame, il me donne des rubis. Alors ça, voilà, ça vaut le coup, 40 rubis, 30 rubis. Voilà, ça vaut plus le coup que les 1 rubis, quoi. Bon, ensuite, j'aimerais bien... Ah, bah voilà, c'est là qu'on monte, c'est là qu'il faut aller, les amis. On va aller voir ça. Allez, c'est parti. Il escalade de la montagne avec ses jambes. Il escalade de la montagne avec ses jambes. Oh, toi, tu me fiches la paix, hein, gros sac. Dégage. Voilà, donc, tout à l'heure, il n'y avait pas d'ennemis ici. Il n'y avait pas de Bokoblins. Bokoblins, ouais, c'est ça. Et puis... Voilà, regardez. Tiens, du con, dégage.
Mais je suis sauvé. En fait, je t'explique. Comment, Sésame? Alors lui, hein, dès que les monstres ont pointé le bout de leur nez, il a pris ses jambes à son cou et se retourner, sans se retourner. Il m'a laissé en plan comme ça. Tu trouves pas qu'il pousse un peu le bouchon quand même? Ah si, mais il s'appelle pas Boris, hein. Maurice, Boris, c'était comment la pub là? Tu pousses le bouchon un peu trop loin, je sais pas quoi. Je ne suis pas prêt de lui pardonner. Il aurait l'aide du Canyon Gerudo, c'est bien ça? Je vais aller lui dire deux mots, moi. Bah vas-y. Fais-toi plaisir, ma grande. Fais-toi plaisir. Ensuite. Bonjour. Au revoir. Bonjour. Ah non, j'aime pas lui. Aïe. Dégage, salopard. Tac. Aïe. Voilà. Là. Il y en a deux, mais il y a quelqu'un. Impeccable. Venez là, vous. Je vais vous déglinguer, bande de gros cons, là. Tiens. Bonjour. Quelle technique impressionnante. De quel style de combat s'agit-il? Oh, pardonne-moi, j'étais tellement épaï par ta puissance que j'en ai oublié de me présenter. Je m'appelle Kartam. Je possède quelques notions de combat, mais mes compagnons et moi avons été attaqués par surprise. Et comme ces lâches étaient à plusieurs contre moi, je me suis retrouvé sans situation dans une situation difficile. Si tu n'étais pas passé par ici, je n'ose pas imaginer ce qu'il serait devenu de moi. Je suis extrêmement reconnaissant. En fait, je t'explique. Comment, Sésame? Sésame est sain et sauf, voilà qui me rassure. Je vais le rejoindre au plus vite au relais du Canyon Gerudo. À ta guise, cher ami, à ta guise. Ensuite, là. Tu croyais me faire avec ton bout de machin, toi? Alors je me demande si j'aurais pas dû revenir un peu plus derrière. Le problème c'est que là, putain, c'est moi qui ai failli tomber. Aïe, connard. Tiens, fous le camp. Ah, là-bas. Haha. Bonjour. Les loulous. Voilà. Au revoir. Bonjour. Hein, mais je suis vivant, mais oui, mais je suis bien vivant. C'est toi qui as vaincu ces monstres. C'est ça, incroyable. Tu es vraiment extraordinaire, merci. Tu es presque aussi fort que Sésame. En fait, justement, laisse-moi t'expliquer. Comment Sésame est dans un relais? Il n'est pas venu m'aider, parce qu'il n'a pas d'armes. Comment ça? C'est pourtant un expert du combat, mais à main nue. Est-ce que je me serais fait duper? Il faut que j'en ai le cœur net. Je vais aller parler à Sésame. Mais oui, va donc. Va donc lui dire deux mots, toi aussi. Alors, attendez, parce que là, du coup, je me retrouve sans arme. Oh, bon, on va prendre celui-là, tiens. Allez, hop. Ah, noix de coco. Est-ce que je les ai pris en photo? Oui, impeccable. On va retourner un petit peu en arrière, parce que là, il me semble qu'on s'éloigne un peu. Ah, d'ailleurs, je suis en train de penser un truc. Il fallait qu'on voie quelqu'un depuis déjà un moment, qu'on pouvait le voir, mais bah, le truc, c'est que... J'y ai plus pensé. Bon, c'est pas bien grave, hein, mais... Ouais, j'ai failli me le péter à la gueule, celui-là. On va grimper, là. Parce que je pense que c'est dans le secteur. Ouais, a priori, il y en a encore. Voilà. Dégage, toi. Voilà. «
Par contre, est-ce que tout ça... ouais, je l'ai... Ça a l'air d'être là, hein, à mon avis, bon... C'est ça, c'est ici. Bonjour. Merci de m'avoir aidé. J'étais vraiment dans un sale pétrin. Ah, j'ai encore mal partout, satané cochon. En fait, je t'explique. Quoi, Sésame ? Il laisse la coule douce dans un relais au lieu de venir à mon secours. Je vais aller lui dire le fond de ma pensée. Ben vas-y, fais-toi plaisir. Et à mon avis, ça risque pas d'être bien bon, tout ça. Portée disparue, donc c'est bon. 5 flèches de feu, très bien. Tant qu'on est en haut, là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose par ici, des fois? Alors, attendez. Des elfos. Qui garde quelque chose. Vous savez ce que je vais faire? Toi déjà. Tu crèves. Pour commencer. Et vous les loulous. Boum! Dans votre gueule. D'abord, niquer lui, parce que lui... Voilà, il fait du dégât. Ok. Arclésal robuste. Oh. Ouais. Ah, mais attends, si. N'inquiète pas, Arclésal robuste. Ah ouais, mais celui-là, il fait du dégât à 29. Bon, alors, du coup... Ben, ouais. C'est bizarre ce truc là. C'est bizarre si ça. Je sais plus, il me semblait qu'il y avait quelque chose à faire là. Mais on y reviendra pareil si jamais un peu plus tard. Libellule Glagla. Je vous avais déjà pris en photo. On va retourner donc à ce fameux relais. Et on va aller parler au type. À Sésame.
Excusez-moi, j'ai tapé le micro. Bon. Oh, c'est toi, je t'attendais. Tu les as tous sauvés, pas vrai? Ils m'ont raconté que tu avais vaincu les monstres sur les plateformes étroites comme un vrai héros. T'es vraiment incroyable. Quand on a enfin été tous réunis, j'ai été un peu ému. Je te remercie. Tiens, c'est pour toi. Oh, 300 rubis. Oh, merci beaucoup. Excellent. Alors... Ouais. Donc bah ensuite on va continuer un petit peu le chemin. On arrive au bout quand même. On arrive au bout. Entrée du désert Gerudo. Donc là effectivement il fait un petit peu chaud. Alors, on va suivre le chemin. Ok, il y a une Gerudo. Ça cogne dur. Ouais, bah ouais, j'imagine. J'imagine. Tiens, est-ce que je... ça, c'est... Ouais. C'était pris en photo. Énorme. Alors, par contre, les amis, je suis en train de penser à un petit truc. Rien à signaler. Bazar à sec. J'adore. À sec. Il y a un souvenir dans le coin, par contre. Je sais plus trop où il était. Ah bah là. Impeccable. Aïe. Excusez-moi, j'ai encore tapé le micro. Ah!
Alors, moi qui ai déjà vu toutes les cinématiques, enfin tous les souvenirs, étant donné que j'ai déjà fait le jeu, je tiens à vous avertir, celle-ci c'est ma préférée. Hein. Voilà, pour information. Donc, bon, on va continuer. Alors, voyons voir. Enfin, on va continuer. Non, pas trop non plus. Est-ce que t'as des trucs à prendre en photo autour ici? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Le loulou là. J'ai dit un dernier, il a déjà été pris en photo. Tiens, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah, que faire? Bonjour, salut. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré? Non, sans doute pas. Je viens du village Piaf. Oui, je m'en serais douté. Ouais, je sais, je connais le village Piaf. Voilà, c'était histoire de. Ah oui, alors allez, il me demandait un remède. Des insectes froids vivant dans les zones les plus fraîches des hauteurs Gerudo. C'est un endroit plein de monstres. Alors, je vais te faire un remède, mon ami. Je vais te faire un remède. Un remède glaglas, insectes froids et un morceau de monstre. Je vais te faire ça. Alors, insecte froid, est-ce que j'ai pas un truc glagla dans le coin? Si, je dois avoir un truc glagla, mais. Et un reste de monstre. Ouais. Mais si, mais des trucs glagla, j'en ai, hein. Ça c'est. On va pouvoir mettre quoi en reste de monstre? Tiens, allez hop, du chromoblin. Et en insecte glagla. J'avais pas un papillon, une libellule, par hasard? Ou un champi glaglatch, hein? Non! Prendre. Est-ce que ça passe un champi glagla? Est-ce que tu la prends ma brochette? Ou pas? Ah non, mais il m'aurait fallu un insecte. Bon, bah écoutez, on y reviendra. Moi, je pensais que c'était, vous savez, Vasak. Non, mais je veux pas vendre, en fait. Oh bah écoute, tant pis, hein, si t'as rien à me vendre. Du coup. Aller là-bas. Parce que je vois qu'il y a un sanctuaire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers le sanctuaire et puis on s'arrêtera là. Après. Free Volt. Monofouisseur.
Oh, la tête. Les alphos électriques énormes. Franchement, il est énorme. Quoi? J'ai pas d'armes? Pardon? Alors oui, parce qu'ici, il faut savoir que dans ce désert, c'est que la nuit, il fait froid, et la journée, il fait trop chaud. Alors ça devient un peu limite saoulant, parce qu'ici, il faut changer de tenue, comme de slip. Bon. Ah non, les alphos, tu me laisses tranquille, hein. Toi, je t'ai déjà eu. Aïe, Dieu, saloperie. Wow, mais ils sont... Oh, aïe, 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 ils sont un paquet, con. Oui, j'avais déjà pris. Hop là, raté. Arrête de chercher ta tête, toi. Os de les Alphos. Bon, alors oui, j'avais dit que je voulais aller là-bas. Ça serait pas mal, depuis le temps. Au moins, comme ça, on peut se téléporter, ça sera peut-être plus rapide. Allez, un monsieur là. On les voit le monsieur. Sanctuaire de Goukouchiz. Bonjour, c'est louche, quoi qu'elle louche. Oh, voilà un visite, un visage inconnu. Je peux t'aider, jeune homme? Tu mates. Mais pas du tout, tu te trompes. Je suis un marchand, je suis même chef d'une caverne. Nous sommes venus de si loin pour finalement nous apercevoir que la cité était interdite aux hommes. Bah oui, il n'y a que des femmes. Les gardes ne veulent vraiment pas nous laisser rentrer. Nous voilà bien embêtés maintenant. Et donc, je n'ai pas le choix. Tu mates. Non. Je mène l'enquête. D'ailleurs, j'ai déjà trouvé toutes les infos dont j'avais besoin pour infiltrer la cité Gerudo. Quelle info? Je vais te faire part de ce que j'ai trouvé. Tiens, voilà. Ça, c'est bien d'une semaine que je suis arrivé ici. Je ne compte plus les fois où j'ai essayé d'entrer dans la cité et que les gardes m'ont chassé. J'étais sur le point d'abandonner. Quand j'ai appris qu'un homme avait réussi à s'infiltrer dans la cité malgré les gardes. Il semblerait que ce soit un marchand. Il fait la navette entre le bazar à sec et la cité Gerudo. Alors je l'attends. Bon, si tu le dis. Nouvel objectif, ok, donc le fameux sanctuaire, on va le faire et puis on s'arrêtera là après, parce qu'on a déjà 50 minutes quand même. Je voulais même pas le faire et puis finalement j'ai dit si, tant qu'on y est, voilà. Alors, 5 de fer, oh là là, c'est quoi ce truc? Ah oui, je m'en souviens. Alors là, en fait, il faut faire un circuit électrique. Donc, pour faire un circuit électrique. Alors, dans un premier temps. Non, c'est pas ça que je veux faire. Dans un premier temps. On va prendre ça. Alors, lui, il va... Jusque là.
Donc dans un premier temps, on va raccorder le circuit ici. On va également mettre ça, ouvrir ça et prendre ce qu'il y a ici. Ensuite, donc là, on va faire le circuit qui est là. Pas le circuit qui est là, il faut que je mette ça là. Voilà. Et ça, je vais mettre là. Et ça, je vais mettre là. Yo, un coffre. Longue épée électrique. Alors, longue épée électrique, est-ce que la longue épée électrique... Donc là, on a tous les coffres. Ouais. Longue épée électrique, est-ce que... Je l'ai prise en photo, il me semble que oui. Mais par précaution, je vais quand même revérifier. Ouais. Ok. Ensuite, donc là, étant donné que c'est des monstres électriques, ouais, je sais pas. Ensuite, faut faire un circuit, donc là. Et prendre peut-être ce truc. Pour prendre ce truc, il faut que je fasse circuit là, là. Là. Et là. Alors. Toi, tu viens avec moi. Tu vas aller te poser là-bas dedans. Très bien. Toi, tu vas venir. Ici. Et toi. Et toi, tu vas venir peut-être ici. Mais le problème, c'est qu'il en manque un. Ah, le coffre. Peut-être qu'il fait conducteur, le coffre, s'il est en acier. Ouais, super. Voilà. On va pouvoir prendre ça. Donc ça, on va y mettre là. Voilà. Et ensuite, il faut emmener un coffre pareil ici. Pas un coffre, un... Voilà. Un gros acier comme ça, un gros bloc d'acier. Et voilà. Nickel, on peut sortir. Très bien, très bien, très bien. D'ailleurs, je suis en train de penser, on a... Elle était où, la tour pour la carte? Je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Alors, il y en a une là-bas. A priori, non. Ou peut-être que si, je sais pas.
Peut-être que si, en fin de compte. Bon, écoutez, les amis, on verra tout ça plus tard. Là, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, bah, comme d'hab, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner. Moi, les petits loups, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.